D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est surtout une vidéo pour vous montrer le défi en fait, parce que je voulais faire le défi en vidéo, mais bon, vu que je l'ai terminé en fait en n'étant pas en vidéo, je vais vous faire l'opening du coup de ce défi, qui est quand même un défi pas mal parce qu'en fait c'est un défi de 100 gemmes. Et donc là j'ai fait 7 victoires. Une victoire de plus, j'en ai eu 50 chauves-souris. Et donc là, ben, pour l'instant, je l'ai pas débloqué pour l'instant. Comme vous voyez, attendez, ici. Ouais, ici voilà, donc 13 jours pour la débloquer, enfin pour qu'elle arrive. Mais bon, j'espère l'avoir dans le coffre. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir d'abord ce coffre-là, puis après les autres. Comme ça, si j'ai déjà la chauve-souris, ben, y a des chances que je l'ai encore dans les autres coffres. Vu que c'est en plus c'est une carte rare, je crois. Donc c'est pas non plus... Non, une commune en plus, ouais, c'est une commune, donc ça va être tranquille. C'est une commune, donc si je l'ai dans le coffre de défi, je devrais l'avoir très facilement plusieurs fois dans les 4 autres coffres. Donc, ouais, c'est parti, on va commencer avec ce coffre-là. Donc, combien de... Attendez, on a une épique, 16 rares. C'est parti, donc 3800 d'or, donc c'est pas mal, comme je vous ai dit, c'est un coffre à 100 gemmes. 10 ap, 23 Tesla, 53 squelettes, 60... Oh, il n'y a que des communes, 60 esprits de glace. Mais du coup, là, ça sera rare. Et du coup, il n'y a pas de nouvelle carte, dommage. Dommage. Rare, 17 extracteurs et du coup, épique de sorcières. Et on a eu quand même pas mal de communes, regarde un petit peu là. On a eu quand même pas mal de communes, hein. 4 cartes communes. Ce qui est après très intéressant, c'est le niveau de l'or. Hein. Vraiment, le niveau de l'or, c'est quand même relativement intéressant. 3800 d'or en plus. Du coup, bah ouais, en fait, non, j'ai pas réussi, mais bon, une victoire près, comme je vous ai montré là, une victoire près, bah, j'avais 50 chauves-souris, donc j'aurais pu la passer au niveau, c'est une carte commune, donc j'aurais pu la passer au niveau 5, je crois, ou au niveau 4, attendez, on va voir vite fait, carte commune, bon, on peut pas voir, parce qu'en fait, j'ai aucune carte commune qui est récente, mais je pense que j'aurais pu au moins l'augmenter niveau 4. Donc on va faire le reste, puis après on va faire quelques attaques, 96 d'or, une Valkyrie, 12 gangs de gobelins, on va faire ça rapidement. Les autres coffres, 78 d'or, méga gargouille, bientôt niveau 9, 12 mortiers. Ok, allez, dernier coffre en argent, c'est parti. Deux quarts, dommage. 90 d'or, un géant, et 12 bombardés. On va faire le coffre à couronne, c'est parti. Donc il y avait 600 d'or, 598, 2 gemmes, 9 flèches, 20 bombardiers, 45 chevalets, du coup là ce sera une petite rare, 8 guérisons. Bon, le guérison, j'utilise pas non plus beaucoup, donc voilà. Donc là, c'est parti, on va attaquer. On va faire une petite attaque vite fait, vu que le pack opening était assez rapide. En fait, le plus intéressant, c'était vraiment le coffre de défi. Mais comme vous avez vu, il n'y avait pas grand-chose dans ce coffre de défi. Je suis un peu déçu parce que là, ouais, à une victoire près, mais j'avais 50 cartes. Je vais vous montrer la game après, en plus. Je vous montrerai la game du défi que j'ai perdu, enfin, à la 7ème game, en fait. La 7ème game où j'aurais pu gagner, j'aurais eu 50 chauves-souris. Je vous montrerai la game. Comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Ok, donc pour l'instant ça va. Il a le PK. 4651 trophées en face, ok. Et par contre il se prend de glace et touche le barbare aussi également. Ça c'est dommage. Ça c'est un peu dommage. Donc ouais, voilà, je suis déçu quand même, parce que une victoire près, 50 communes, c'est quand même pas mal d'avoir 50 communes, donc un petit peu déçu. Donc voilà, au niveau de la défense, pour l'instant, ça va, pour l'instant, on est devant, en quelque sorte, parce qu'on a fait un petit peu de dégâts sur la tour de gauche. Donc pour l'instant, on est devant. Donc là, je vais mettre la princesse. Je vais faire un petit ballon géant si j'essaie d'élixir. Normalement c'est bon, si mais rien. On va se faire ça. Allez géant. 5 d'élixir. Voilà, nickel. Ok, mini PK, j'espère qu'il va pas mettre les. Ah, il va mettre l'esprit de glace. Ok, bah nickel, l'esprit de glace qui va sur la princesse. Nickel, comme ça le ballon va faire un petit peu plus de dégâts. Je crois que j'ai la tour. Hein. Je crois que j'ai la tour. Aïe. Ouais, par contre ça va être chaud. Ouais, j'ai la tour. On va essayer de gérer ça. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il reste 2 barbares pour l'instant. Le PK est tombé. Le sorcier de glace a pas beaucoup de points de vie. Ouais. On va mettre ça ici. Hop là.
Yes. Ouais, pour l'instant, c'est bon, il est bien parti. Hein. Petite victoire, je pense. Il y a 50 secondes. Normalement, s'il joue bien, pas trop de bêtises, ça devrait bien se passer. Ok. Gobelin et barbare en suivant. Pour bien défendre contre ces barbardites, hein, ces fameux barbardites. Qui sont quand même toujours autant joués. Hein. Toujours autant joués, ces barbardites. Même si c'est un petit peu diminué, je crois qu'il y avait une petite mise à jeu, enfin une petite maintenance, rééquilibrage, pardon, des barbardites, mais bon, ça n'a pas changé, ça se joue toujours autant. Un petit peu moins, c'est sûr. Mais ça se joue quand même. Mettre ça ici, on met les petits gobelins ici. On a fait un petit peu de dégâts à droite au cas où, parce que au cas où s'il est à la tour de gauche ou à la tour de droite, on peut toujours comme ça contre-attaquer sur la tour de droite. Mais là il reste 7 secondes et je crois que c'est fini. On met le géant. On va les flèches. Et voilà. Donc voilà, petite victoire, j'espère un bon coffre. Je crois que j'ai un coffre légendaire qui arrive bientôt, mais bon, je sais pas comment il va arriver. Coffre en argent, ok. Donc là, regardez un petit peu vite sur la game, vous allez voir la game qui est assez incroyable. Donc ouais, c'est cette game là que j'ai perdu. Alors attendez, on va accélérer. Parce que le moment où on choisit les cartes, c'est pas ouf. Et la game est assez normale au début, donc on va se diriger vers la fin. Donc là vous voyez, hein, là je défends, il y a le géant royal, vous voyez un petit peu ses cartes, vous voyez mes cartes, donc là il y a le Molos qui est pas mal, il y a le géant royal qui est pas mal, il y a le dragon d'enfer aussi qui est pas mal. Donc moi vous voyez mon deck, hein, j'ai un petit golem avec une sorcière qui est pas mal non plus, le feu gobelin qui des fois est pas mal. Bon il y a la bûche pour défendre contre le feu gobelin, donc il faut gérer ce feu gobelin pour essayer de faire des dégâts. Donc là pour la... Donc excusez-moi pour la fin, il y a eu un petit bug comme vous avez vu au niveau de la vidéo, il y a un gros bug, je sais pas ce qui s'est passé, j'espère que ça marchera pour les prochaines vidéos. En tout cas voilà, je voulais vous montrer les gameplay, le dernier gameplay, pour vous montrer que j'ai perdu vraiment de pas beaucoup et que j'ai voulu essayer de gagner, parce que une victoire de plus, 50 communes en plus avec la chauve-souris et les nouvelles cartes, donc ça aurait été plutôt cool. Donc voilà, bah, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ce pack opening vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.